Bonjour à toutes et à tous, Daniel Ouédraogo de la chaîne YouTube CQFIN5. Je vous souhaite les bienvenus à cette vidéo sur le projet Gym Network. Et les amis, Gym Network est un projet à mon sens extraordinaire. Il est très simple, il facilite l'accès à d'énormes opportunités sur la finance décentralisée ou dans le domaine de la finance décentralisée et dans le domaine général de la crypto. Si tu es novice, si tu penses, OK, je ne m'y connais pas, je suis assez prudent ou je ne veux pas prendre assez de risques, ce projet, à mon sens, est l'idéal pour toi. Ou si tu es professionnel, tu sais à quoi tu t'engages, ce projet aussi t'offre d'énormes opportunités. Et puis, vous savez, nous avons un groupe Telegram. Nous vous invitons à rejoindre notre groupe Telegram dans le descriptif de la vidéo. Vous allez voir un lien que vous pouvez utiliser pour rejoindre notre groupe, poser vos questions et nous allons éventuellement, de façon spécifique, vous répondre. Naturellement, nous sommes sur cette chaîne YouTube CQFIN5 et nous avons la vision de donner à tous nos abonnés des contenus dûment sélectionnés et qui ont de la valeur pour que pas à pas, ceux-ci ou celles-ci puissent atteindre leur sécurité financière en 5 ans. Et un de nos projets, c'est Gym Network. Nous en faisons la promotion parce que ce projet a effectivement un potentiel en notre sens de vous accompagner sur votre chemin vers la sécurité financière. Cette vidéo veut vous présenter, disons, l'aperçu un peu global des médias de crypto sur le projet. Parce que beaucoup vont se dire, OK, un nouveau projet, d'accord, est-ce que c'est un projet fiable? Est-ce que c'est un projet sérieux? Est-ce que je peux vraiment m'engager? Et il n'y a pas meilleur témoignage que le témoignage de personnes neutres, le témoignage de personnes extérieures. Et nous allons rapidement dans cette vidéo voir qu'est-ce que nous avons ici comme témoignage extérieur, qui est partenaire dans ce projet et quels sont les médias assez fiables dans le monde de la crypto. Et j'espère que par cela, vous aurez un peu plus d'assurance pour ceux qui hésitent encore. Pour ceux qui sont déjà dans le projet, ça ragaillardit naturellement et on sait qu'on est sur le bon chemin. D'accord? Alors, regardez déjà quelques chiffres d'une façon générale. Même si vous ne comprenez pas grand-chose, c'est des chiffres qui vont, dès que vous allez les comprendre, vous donner de l'assurance. D'accord? Nous avons ici déjà près de 292 millions et demi de Gymnet qui ont été déjà minés. Et ça, c'est, disons, c'est une partie des 400 millions de Gymnet qui doivent être donc minés. Ensuite, on a actuellement plus de 16 millions de dollars qu'il y a comme capitalisation, comme, disons, épargne bloquée dans le compte Trésor qui produit donc des rendements pour les membres. Et actuellement, le Gymnet a atteint son record de tout le temps. On est passé à plus de 30 centimes, d'accord, depuis plus d'un an et demi que le jeton est sur le marché et nous avons passé la barre de 30 centimes et cela est la preuve qu'il y a de l'engouement, il y a donc de l'intérêt pour ce jeton. Et nous continuons, vous allez voir qui sont nos partenaires. Nous parlons ici de gros partenaires, de CoinMarketCap, de CoinGecko, de PancakeSwap, de Binance, de Coinbase, de Crypto.com. Et je pense que pour toute personne qui s'y connaît un tout petit peu dans ce domaine-là, vous allez simplement dire, waouh, si Binance supporte un projet, si Coinbase supporte un projet, si Crypto.com supporte un projet, et PancakeSwap aussi adhère à ce projet, il y a certainement de quoi regarder de plus près. Après, nous avons d'autres médias qui ont publié des articles qui font la promotion, par lesquels nous passons naturellement pour faire la promotion de ce projet. Mais comprenez que les médias font leur recherche avant d'accepter les offres de promotion de projet. Donc, nous avons MarketWatch, Investing.com et bien d'autres qui ont accepté faire la promotion de ce projet après avoir donc fait leur recherche et s'être assuré qu'il y a bien du sens derrière ce projet. Nous allons revenir sur ça dans les détails, mais comprenez simplement que ce projet veut rentabiliser vos cryptos qui sont de toutes les façons dans vos portefeuilles qui dorment. D'accord? Vous avez des cryptos déjà, vous avez particulièrement des BNB qui dorment. Mais faites-les travailler pour vous, les gens, les amis. Il n'y a pas plus intelligente manière que de faire travailler l'argent pour soi.
D'accord? Et c'est valable pour la crypto aussi. Vous avez des cryptos, au lieu d'amasser des cryptos et de subir le cours du marché, mais faites travailler vos cryptos pour vous. D'accord? Et c'est ce que je dis. C'est très simple ce projet. Il faut simplement l'essayer et il faut toucher du doigt la réalité. Et à propos de toucher du doigt, je vais donc connecter la plateforme à un portefeuille et vous verrez vous-même ce que cela rapporte. Alors, voilà un compte. Et comme je l'ai dit, ces trois partenaires sont là. On va revenir là-dessus. Là, on est dans le premier projet qui est le projet Épargne Crypto. Et dans ce compte, on a déposé un BNB et ce compte a environ en une semaine récolté 39,41 GNET. Alors, dans le premier produit qui est l'épargne crypto, vous déposez des BNB et en intérêt, vous recevez des GNET qui sont donc les tokens, les jetons natifs au projet et vous recevez aussi des BNB que vous pouvez voir ici. D'accord? Donc, au lieu, si c'est un BNB, si c'était resté dans mon portefeuille spot quelque part ou dans ma clé Ledger, n'allait rien produire à part la croissance du marché. La croissance éventuelle du marché ou la baisse du marché, la fluctuation du marché éventuelle. Mais en investissant, c'est un BNB ici. C'est un BNB reste toujours en ma possession. Je peux les retirer à tout moment. Nous avons fait des vidéos pour vous montrer comment le faire. Et c'est un BNB, mon produit 39 GIM, environ 12 dollars. Et c'est un BNB, mon produit aussi, quelques milliers, fractions de milliers de BNB. D'accord, en une semaine. Donc, imaginez que si je n'avais pas investi ici ce BNB, j'allais être en déficit par rapport à ce que j'ai maintenant, au moins de 12 à 15 dollars en une semaine. Donc, un revenu passif de 15 dollars par semaine, je pense qu'on n'a pas besoin d'être très, 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 très intellectuel pour comprendre que c'est mieux que 0 dollars par semaine, surtout si vos cryptos vous appartiennent et que vous les laissez dormir dans votre portefeuille. Donc, encore une fois, à mon avis, juste une question de bon sens. OK? Maintenant, ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit, c'est le farming. Dans le deuxième produit, vous avez donc des rendements plus élevés. Pardon, je reviens sur le premier produit parce que je ne l'ai pas spécifiquement évoqué. Nous avons ici donc un rendement annuel cumulé de 180%. D'accord, les amis, 180%, c'est impossible dans le monde classique au dehors. Impossible. Alors, dans la crypto, cela n'est pas forcément extraordinaire. Alors que dans la crypto, ce n'est pas extraordinaire. Maintenant, le deuxième projet qui est l'agriculture de rendement, le yield farming ou le staking, vous voyez que là, nous avons un rendement de 377%. Donc, dans ce compte, il y a eu un dépôt. Il y a eu un dépôt donc aussi. Vous voyez que le compte a déposé des BNB, 1,3 BNB et 1740 GNET dans le compte. Et rien que cela a produit 51, environ 52 GNET. On peut l'arrondir comme ça. Et cela en 3 jours. 3 jours de production, 52 GNET. Donc, 3 jours de production dans le deuxième produit dépasse une semaine de production dans le premier produit. Encore pour vous dire que j'ai fait une vidéo là-dessus et je vous ai parlé donc de comment booster vos rendements. C'est exactement de quoi il s'agit. C'est booster la productivité, surtout quand vous en avez les possibilités. Et là encore, on verra dans une autre prochaine vidéo comment on peut faire cet effet d'intérêt cumulé en utilisant déjà ce qui a été produit. Mais aujourd'hui, comme je dis, le focus était déjà sur les médias. Alors, allons déjà sur Binance. Je clique sur Binance et vous voyez ce que Binance nous affiche. Donc, Binance a effectivement listé. Alors, on n'est pas encore utilisé. On ne peut pas faire le trading puisque Binance est un échangeur centralisé, mais on est sur la liste de tokens que Binance a validé. Et ça, c'est déjà un premier gros pas. D'accord? Vous ne pouvez pas acheter le GNET sur Binance ou le vendre, mais Binance l'a répertorié. Vous pouvez acheter et vendre le GNET sur PancakeSwap. Okay? Ensuite, notre prochain partenaire, c'est Coinbase. Coinbase est la première société qui a été aux États-Unis qui fonctionne 100% sur crypto, un échangeur centralisé aussi et qui est coté en bourse. D'accord? Et là, nous avons aussi le GNET sur leur listing. Après, nous avons crypto.com. Crypto.com aussi, qui est très bien connu, qui viennent d'ailleurs de lancer leur propre plateforme, leur propre réseau de transfert sur la blockchain.
Et je pense que ça aussi, c'est clairement un signal que Crypto.com veut se positionner comme géant du marché et prendre aussi sa part du gâteau parce que le gâteau est assez grand. Donc là aussi, vous pouvez avoir les Jumnet et tout ça pour vous dire que nous avons trois géants, trois échangeurs centralisés qui ont listé Jumnet. Et les amis, je vous dis que ça va exploser positivement par là. Au-delà de cela, nous avons des médias digitaux qui ont parlé du projet Jimnet. D'accord? Nous commençons ici par Crypto Daily. D'accord? Crypto Daily nous parle. Crypto Daily, donc, nous a fait un article sur Jimnet que vous pouvez lire. C'est vrai que c'est en anglais, mais vous pouvez le traduire. Et ce qui est bien ici, on a Albert Toumera qui nous parle de Jimnet. D'accord, Albert Toumera, c'est l'ingénieur système et il nous dit clairement, les amis, il ne s'agit pas de réinventer la roue avec Jumnet, mais il s'agit de créer de l'innovation avec ce qui existe déjà. D'accord? Et ce qui est innovateur ici, c'est le système de rendement très productif que tous les utilisateurs peuvent utiliser, peuvent avoir parce qu'ils participent au protocole. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des blocs qui sont résolus dans la blockchain, il y a participation au rendement. Et ça veut dire pour vous, de façon permanente, vous avez des rendements. Regardez ici, quand je repars sur le premier projet, vous comprendrez pourquoi maintenant, le montant change ici quasiment chaque seconde ou à quelques fractions de seconde. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a résolution d'un transfert dans la blockchain, il y a partage. Donc, de gains parmi tous les participants. Donc, c'est ce qui fait la révolution ici. Je pense que c'est assez intéressant. Donc, vous voyez, donc, Crypto Today. Après, il y a You Today. D'accord? Tout ça, c'est des médias qui ont parlé de Jim Network. Après, nous avons ici Crypto.news qui parle aussi de Jim Net. Et nous avons ici, pour terminer, BTC News. D'accord, de News BTC, News BTC, voilà, qui aussi a parlé de ce projet. Donc, tout ça, c'est des plateformes c'est des médias qui sont consultés, qui sont des médias de référence qui font la promotion de ce projet-là. Donc, de quoi prendre cela au sérieux? Et sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous donne un aperçu un peu sur non seulement comment nous nous présentons la chose, mais aussi comment d'autres personnes au dehors présentent le projet. J'espère que cela rassure l'un ou l'autre, cela donne du courage et puis voilà, motive l'un ou l'autre à participer à ce projet. Naturellement, vous jugez les pour et les contre, vous vous engagez en toute âme et conscience et en pleine responsabilité de votre engagement. Mais ma recommandation personnelle est, allez-y, surtout si vous avez des cryptos qui tournent dans votre portefeuille, faites-les travailler pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous apporte quelque chose, vous apprend quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez notre groupe Telegram ou bien rejoignez notre équipe en utilisant le lien de recommandation dans le descriptif de cette vidéo pour faire partie de la grande famille de Jim Network. Et jusqu'alors, je vous souhaite bien vous porter et on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye.